Ton setup est chez toi. Mon setup est dans mon ancien appartement, les gars. Prends-toi un monteur. Ouais, j'aurai un monteur. Enfin, j'en ai déjà un, mais c'est pas. Il est pas. C'est pas un. Il fait une vidéo par semaine, quoi. Et mais j'aimerais bien voir. Quand j'aurai la fibre, de toute façon, il y aura un monteur. Ouais, j'aurai un monteur normalement pour faire. Parce qu'en fait, là, comme j'ai pas la fibre, pour envoyer des fichiers à quelqu'un, un monteur, ça prend deux nuits. Enfin, du coup, c'est pas possible pour moi, tu vois. Et du coup, comme quand j'aurai la fibre, du coup, il pourra prendre des rushs directement de Twitch, vu que la qualité sera bien. Et du coup, je gagnerai du temps. Normalement, je vais faire comme ça. Par contre, faut que je fasse des ben games parce qu'hier on a fait que de la merde. Je serais trop frustré de faire que de la merde là. T'es déjà allé à Angers? Ouais, bah je suis allé il y a deux semaines à Angers avec mon tonton parce qu'il a acheté une voiture. Et c'était à Angers. Et du coup, on est allé à l'atoll. Je sais pas si tu connais. Je pense que tu connais, hein. L'atoll à Angers, c'est. Quelqu'un là. C'est un espèce de centre commercial énorme. Yo et Gurp, ça va ou quoi? T'es déjà allé à Brest? Ouais, je suis déjà allé il y a longtemps, je me rappelle plus comment c'est par contre. Wouah, du bon Bambi ça. Hein. Putain, les mecs ils ont des stuff pas mal là. Ça m'a bien servi de farmer dès le départ là. On est pas mal là. Il reste encore des gens. On va prendre des balles là. Tu vois pas? Il y a un coffre, mais attendez. Ah, il m'a vu. Ah, il est là! Mais c'est quoi ces gros bambinos là? Putain, vous me faites trop plaisir, les gars. Revenez, hein. Mec, vous me régalez là. C'est cool d'avoir des bambinos comme ça là. Gros joueur en face. Ah ouais, non, là, ils sont très très gros joueurs là. Si vous avez un décalage, les gars, relancez le live. Peut-être que ça va régler le problème. La différence est grande entre 60 et 144. Oui. Ah oui. Elle est très très grande. La différence entre 60 et 144, elle est très très grande. Je te conseille vraiment d'aller sur du 144, mon pote. J'ai envie de prendre le... Ouais, je vais faire ça. Tant pis si j'ai plus de bandage. C'est cool, là. On nettoie Iris Kiris. Inès, le bouseuf, où j'arrive de m'endormir sur les vidéos. Ah ouais... C'est quand la mage le bouseux demain. Alors, j'ai vu ça tout à l'heure, les gars. Redites-moi si c'est vrai, mais j'ai vu que demain... Enfin, c'est dans 19h, en gros. Est-ce que... Donc, la fin de la saison 6 est dans 19h. J'ai vu ça il y a 20 minutes. Donc, 19h plus 13h. Donc là, il est 13h. Donc, 24h, ça fait 13h demain. Donc, si on met 19h, ça voudrait dire que c'est demain matin, à 8h. Donc, et je pense qu'il y aura une petite transition. Merci Sabri du sub, merci à toi. Donc je sais pas si ça va se faire. Non, je pense que ça va être demain. On sait que les saisons, souvent, il y a des petits problèmes. Hein. Alors un peu moins en ce moment, mais il y a les saisons 2 ou 3, il y avait toujours des problèmes. Donc ça mettait toujours du temps, mais en vrai, on verra.
8h, 10h, ouais, je sais pas. Hein. C'est 8h américaine, donc 14h FR. Ah ouais. Ah, moi, je serai au taquet, hein. Demain, je suis au taquet. Demain, je peux te dire que je suis au taquet. Yo, petite bousette, salut Shakibou, ça va ou quoi? Il va y avoir un mode créatif, mais je sais quoi un mode créatif, les gars, je sais pas ce que c'est. Mode créatif. Un mode créatif. Ah, un mode comme Minecraft, là. Où on peut choisir de mettre une maison ici et tout. Par contre, ça serait stylé, genre, faire des circuits. Je sais pas si ça serait aussi poussé que ça, mais... Mode créatif, moi, je vois comme Minecraft, tu vois. Tu peux créer ton île. What? Ah ouais, par contre, ce serait vraiment stylé. Tu peux créer ton île. Pour le coup, ce serait vraiment stylé. J'ai un Ponyta shiny, GG mon pote. Quinze heures généralement la fin de saison, ouais. Ouais, c'est ça, je crois, à peu près. Hein. Heures, ouais, début de saison. Moi j'arrive, je fais directement la vidéo, j'achète tout le pass de combat et hop, je mets direct en ligne. Faut que je sois au taquet, mon gars, au taquet. Je me suis pris 2 heures de colle. Ah. Ah, à cause de quoi? Sort de colle. Il y a un build fight là-bas. Ah, encore des gens qui se battent. Je crois. Putain, allez, je stresse. Il reste que 13 mecs. Il y a un mec là, c'est sûr. Putain, il n'a pas. Ça, j'ai le cœur qui bat vite. C'est ma première game de la journée, c'est pour ça les gars. En plus c'est pas du tout la zone en fait. Putain le con. Bavardage. 2 heures de colle pour bavardage mec. Ouah, ils sont sévères dans ton truc. Je pense que c'était une accumulation, non? C'est obligé que c'est une accumulation. 2 heures de colle pour bavardage. En top 12, ouais. Mec, je stresse pour n'importe quoi là. Quand c'est la première game, je te jure, je suis pas moi-même. Surtout que je vois personne depuis les Z-Links et on est déjà plus que 9. Donc c'est vraiment chelou. I find. T'es d'où déjà? Moi je suis de Rennes, les gars. Yo DJ, ça vaut quoi? Je suis de Rennes. C'est où Rennes? J'ai un inverto pour bavardage. Ah ouais. Un avertissement, ouais, une mise en garde. Moi ça s'appelait des mises en garde à mon époque. Je sais pas si ça s'appelle encore des mises en garde. Mais c'est pas possible, ils sont où les gens? Le patch il a été fait là. Ils sont où les gens?
J'ai eu la peur de ma vie dans ma tête. Heureusement que j'ai pas... J'ai eu la peur de ma vie. What the fuck, mec? J'avais 200 de vie. Il me l'a mise dans la tête. Je me suis chié dessus. Mais je suis sûr, vous, chez vous, vous avez eu trop peur aussi. C'est obligé. Vas-y, on va regarder, on va regarder. On va regarder s'il fait top 1. S'il fait top 1, les gars. S'il fait top 1, j'en ferai un sub dans le chat. Et s'il fait pas top 1, tout le monde sub. Ok? Ok, on fait ça? S'il fait top 1, j'offre un sub. S'il fait pas top 1, tout le monde sub. Je m'envoie les couilles. Oh ouais, il tombe sur des bambis. Ah, quoique ça construit, hein. Ah, mais perdre la hauteur comme ça, c'est pas forcément une bonne idée. C'est vraiment greedy, je trouve. Après, l'autre est pas bon, quoi. Il tortle trop facilement. Mais qu'est-ce qu'il fait? Protège-toi, mec. Ouais. Même lui, il est pas bon, hein. Lui, il est pas bon, en vrai. On croit comme ça qu'il est bon, mais... Regarde, il est pas bon, il est pas bon. Duck is live, merci du sub, bienvenue à toi, mec, Duck is live. Bienvenue, mec. Regarde, il panique, je sais pas, il a du mal. Les reprises de hauteur, elles sont vraiment en mode débutant, quoi. Ok, ça le fait, ok, encore 4. Juste pour ça, il mérite d'aller sur ma chaîne YouTube. Juste pour ça, il mérite d'aller sur ma chaîne YouTube, c'est enculé. Vas-y, regarde la fin, regarde la fin, c'est épique. C'est épique, j'ai l'impression que là on est... Enfin je sais pas, the what the fuck quoi. Oh putain les mecs, non, je reviens pas. Il reste 3 mecs, là ils sont en train de se battre, donc là c'est vraiment le dernier fight les gars. Oh la vache, regardez-moi ça. Ça construit. Oh là là. Oh là, oula, oula. Oui, bah... Il veut pas se faire griller, c'est pour ça. Le mec il se dit, oh putain, je vais peut-être faire mon premier top 1. Oh, maman, maman, regarde, je vais faire mon premier top 1. Regarde, je suis en train de me cacher, tu es en train de se battre. Regarde, regarde, regarde. C'est sûr, c'est sûr. Maman, regarde, je vais bientôt faire mon top 1. Regarde, ils sont plus petits, ils vont en train de se battre. Après, ce sera un verre et moi je vais ramasser les miettes. Regarde. Ouais, là il hésite, là il hésite. Là il hésite, là. Là il hésite de ouf. Ça fait une demi-heure, il est en train de viser. Oula, peut-être là, peut-être là. Attention. Non, toujours pas. Là, peut-être. Non. Toujours pas. Ah. Peut-être qu'il essaye d'activer son aimbot. Peut-être là, maintenant, tout de suite. Non, pas encore. Il attend vraiment le dernier moment. Mais tire. On dirait Bruce Grinek devant le but sur FIFA 19, tu sais. Quand tout le monde lui dit tire. Mais tire! Allez, allez! Allez! Allez, vas-y, Mitroglou! Allez, vas-y! Oui, go, go, go! Tire, oui! Vas-y, 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 vas-y! Oula, ça rush. Oula, ça va ramasser les miettes. Et si lui fait top 1, les gars, je me coupe une couille. Je me coupe une couille. Oh, la mise. Putain, il tire alors que là, c'était vraiment pas worse. Il aurait tellement pu la louper facilement. Qu'est-ce qu'il fait? Ok. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait demi-tour? Oula. Oula. Qu'est-ce qu'il fait? Oula là là là, la prise de hauteur. Oula là là là. On sent la fluidité dans ses gestes. C'est du 1v1 là? Qu'est-ce qu'il fait?
Oh, j'ai cru que ça allait toucher l'orteil. Zon, zon, zon. Qu'est-ce qu'il fait? Mais qu'est-ce qu'il fait? Ah, il veut prendre la zone. Il s'est écrit dans le Winter Royale, je crois. Vas-y, on fait la zone, on fait une T5. Obligé, il fait ça. Oula. Là, on dirait The Kerry 78 qui construit, là. Oula, c'est fluide. Non, là, c'est fluide, là, pour mettre les murs de côté. Il a perdu l'info sur l'autre, je crois. Ah non, c'est bon, il est là. Ok, il trempeau. Il va tenter. Oula, il prend la pioche. Ouh, ça touche! Ça touche, monsieur l'arbitre. Dans le shield. Il a 3 shields sur lui, hein. J'avais pas vu, mais le mec est vraiment en mode... En mode, il veut tryhard son top 1, quoi. Hop là. Hop là. Non, il va perdre, c'est sûr. S'il gagne, franchement... Ouais, je me coupe une couille. Hein. Même si l'autre en face, c'est pas forcément bon. Ouais, non, c'est sûr, il va lui la mettre. Il a juste à détruire la planche du bas, il tombe. Bon les gars. What? Non mais ce qu'il vient de lui mettre. Robot 16, putain, gros GG à toi mec, gros GG à toi, putain, il est trop fort, il est trop fort.